on avait un doute sur la composition et le 4-4-2 qu'on annonçait. Ils seront bien à 5 derrière, oui, vraisemblablement, les Vendéens. Attention à ce ballon avec Maïela, ouais, qui va trouver directement, eh bien, la petite patte de monsieur Alexis Pochettino. C'est Gabriel Etinov qui ouvre la marque ici au stade Francis Levasseur et tout le monde est debout. Le soulagement au bout d'une seule minute de jeu. On va suivre cette action avec Gabriel Etinov et je vous ferai répondre là-dessus juste tout à l'heure avec Neyou là, qui va frapper en force le poteau. Oh, le poteau pour Neyou. Il avait contrôlé parfaitement, l'angle était un petit peu compliqué et finalement c'est l'arrêt qui va eh bien dégager ce ballon en sortie de but. Ça va partir là tout de suite pour Adrien Pagery au premier poteau. Attention à la reprise de Flochon. Oh, quel arrêt de Maxime Aubois, deux fois. Oh, attention, la troisième, il est bien secondé. Mais quelle double, triple occasion en tout cas pour les Vendées. Pour les Herbiers, pardon, Vendée Foot. Énorme parade quand même de Maxime Aubois. Franchement, à bout portant. Incroyable, incroyable ce qu'il a sorti Maxime Aubois. Fallait sortir le grand jeu, c'est chose faite. Voilà la mi-temps, on vous l'annonçait il y a quelques instants. Le score, vous allez le voir, il va s'inscrire en bas de votre écran. 1-0 en tout cas pour le Stade Lavallois. Ouverture du score de Gabriel Etinov dès la première minute. Oh, attention, attention à ce ballon justement récupéré par Romel Demary. Le petit extérieur là qui va décaler Couturier dans la surface de réparation. Oh, il est tombé. Est-ce qu'il y a faute de Scaramuzzino? Oui, Non, il n'y aura pas pénalty. Simulation. Il y aura simulation, carton jaune contre Couturier. Et c'est rouge. Et oh, c'est quand même impressionnant. Et oui, alors, c'est son deuxième jaune à Couturier, c'est rouge. Oh là là, le VHF qui va finir à 10. Le VHF qui va finir à 10. Le corner à suivre pour les Herbiers. Alors on s'est jeté dans cette surface de réparation. Il y avait notamment Decker qui avait tenté de placer sa tête. La sortie à nouveau de Maxime Aubois, la remise immédiate. Et là voilà, l'égalisation pour les Herbiers tout simplement. Et bien voilà, à l'intérieur du pied et bien de notre Ekmeyer. Ekmeyer à l'intérieur pied droit qui égalise. Un but partout entre ces deux équipes, tout est à refaire.